Ah, c'est vrai que, tu vois, y a beaucoup de variétés dans le jeu, en termes d'armes. T'as la WSP Swarm, t'as la WSP 9. Je crois même que... t'en as d'autres, hein. T'as... la WSP Stinger, enfin bref. Franchement, il y a une grosse variété d'armes différentes. RAM 9, AMR 9, Rival 9, HMR 9. Enfin, voilà, c'est le clan des neufs. Du coup, la Striker, qui a absolument rien à voir. Voilà, et celle-là, elle est pas mal. Donc là, on va aller tester la Striker. À ne pas confondre avec la Striker 9. Oula, résurgence rechargée. Mais tu es fou. Tu es fou. Ouais. Non mais bon, ce mode de zinzin, là, c'est bon. Et les gars, t'as l'impression ils sont sous coque et à des rôles en même temps. Ils ont pris un dans chaque narine. Bon, les gars. Top 1 sur cette game, hein. Tu vois, c'est là quand tu vois... Résurgence, c'est pas pour moi. T'as l'impression de jouer un match à mort. T'as pas la même adrénaline. Tu vois, t'as... un véhicule. Lui était venu chercher la cache. Il était venu chercher la cache, le coquin. Mais j'étais déjà passé par là. Oui. Ah, cette douce mélodie des hélicos dans les airs qui te pètent les oreilles. Quel petit bonheur. Ah ouais, d'accord. Je suis Keblo. Ok, super. Bon. Donc pas non plus forcément beaucoup de sous. J'ai pris la prime avec un peu de chance, il se fait buter. Ça me fait des sous. Sans avoir à faire absolument rien du tout. Bah dis-moi, niveau thune, ah voilà. Ah fin. C'est bien qu'il y avait un lapin dans le coin. Allez, c'est parti! Avec la Striker! Et la prime. Tu vois? Ça, c'est une prime sympa. Ça, c'est une prime sympa. Et vous voyez que je galérais un petit peu à venir la chercher. Et que la prime commençait à se terminer, elle est venue. Ça, c'est de la... Franchement, c'est sport. C'est sport. C'est très très sport. Une demi-heure pour voir le truc. Ah, mais écoute. Ça fait du bruit, hein. Tu vois, et t'as trois plaques dans l'inventaire ou une boîte de plaques, c'est quasiment pareil. Je comprends pas. Tu sais, à la limite, les quatre plaques en squad, dans la boîte, tu dis bon, allez, je peux comprendre. Je vois. C'est trop long. Mais en solo. Ah non, en solo non.
Qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, il est encore sur le toit. Ah, si je prends le... Si je saute, il me nique. Ah, il est encore sur le toit. Plus fort que moi, je l'ai mis à terre, pour moi le kill m'appartient quoi. Et à un moment donné... Ah, il se barre! C'est encore mieux. Il a failli m'avoir. Bien joué! Pélo! On a besoin de reconnaissance. Le drone n'a plus de carburant. Oh le script! Magnifique! Le mec, il est crack, il a pas de vie. T'as l'impression que le temps s'arrête et lui, il peut tirer. Oh, c'est incroyable. Oh, il est magnifique celui-là. Mec, il avait plus de vie. Tu lui tires dessus et d'un coup, il te bute. C'est comme si le jeu dit, attends, toi tes balles et maintenant, elles font plus rien. Attends, laisse-le faire un peu. Hein. Allez. Qu'on me dise pas que le script n'existe pas. Je dis pas, des fois, on en bénéficie aussi, tu vois, mais... Il est AFK ou il est derrière le comptoir, lui? Bon, au moins, je peux récupérer la caisse. On va loot un petit peu se battre. Ok. Oh, le shoot, c'est pas ça, hein. Qui c'est qui me tire dessus, en fait? What? C'est quoi, ça? Sous mes... Et what? Et pourquoi lui me tire dessus et l'autre il me tire dessus et il se tire pas entre eux là-haut? Pauvre merde, bah, casse-toi! Mijon! Pigeon, ouais! Bon. Shit en mia, c'est pas la première fois qu'on le voit, lui, tiens!
la zone est pas à côté, mais je me dirige par là. Moi, où il est là? Shit on ya. Here we meet again. Cet enfoiré nous a semé. Doute que là-haut ça soit libre, mais on va essayer hein. Ah bah il s'appelle Frozen Flame. Il porte bien non pas Monsieur Mort. Ah, j'ai pas acheté de masque, je suis trop con. En bas, en haut, en bas.
Ah merde, c'est... Attention, drone qui t'attaque. Franchement, j'avais aucune idée où aller, quoi. J'avais aucune idée où aller. J'étais là, il y avait tout le monde dans le bat. Du coup, il n'y avait aucun endroit où aller particulièrement. En vrai, c'était nul parce que... Je savais pas où aller. Voilà, je savais pas où aller. Je savais pas où aller. Si j'allais dans le bat, il y avait deux gars dedans. Je restais dehors, j'étais tellement à découvert. À un moment donné, je dis, bah, je vais dans le camion, tu vois, il est fermé, ça me tire à gauche, bah, du coup, je vais à droite, et voilà, je suis mort. Et comme par hasard, tout le temps à l'autre bout. Ah, mais j'ai jamais la zone, mais c'est une dinguerie, ça, j'ai jamais la zone.